Putain. Comment be, bro? Littéralement le meilleur combat du jeu. Hein. Sur tous les boss qu'on ait fait, c'est le top 1 celui-là. Ok. J'ai réussi à porter deux coups. Ok. Non mais... Ah ! Flamme, 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 flamme ! Comment ça j'ai été touché ? Ok. En plus avec la musique de Doom derrière, ça aide pas. Hein. C'est trop, la musique est trop motivante en fait. Attaquer. Trop tôt, putain. On va se mettre de l'autre côté. Recule. Merde. Oh, j'ai touché ? Ouais. Mais non, mais la tête ! Content, c'est content. Aujourd'hui j'ai rien à perdre. Tout le monde se peint. Oh, oh, touché. Une fois. Oh putain, mais vraiment. Ah putain. Non. Non mais vraiment, j'avais pas le tout. Oh, mais j'ai pas d'échelle de distance avec le sol. Le sol me perturbe trop. Je vois pas la distance en fait. Je sais pas où je tape. Oh, triple andouille. Voilà, c'est bon. Et voilà! On y est là!
Là, si on n'y arrive pas, je comprends pas. Hein. On a 9 minutes pour le tuer. Ça commence bien. Bon, en fait, je pense que les musiques de Doom, je vais aller me faire enculer parce que je les mérite pas en fait. Je crois pas que je mérite les musiques de Doom sur avec mon skill. Je peux littéralement aller me faire foutre, je pense. Il tape tellement fort. Je sais pas du tout. Est-ce que si je mets la bague, augmente la force et que j'arrive à la constitution, si j'ai PV en cas de coup critique. Ça, en vrai, déjà, je vais le virer parce que c'est que des coups critiques, donc non. L'anneau de foudre améliore l'absorption des dégâts de foudre. On va tester avec ça. Et après on passera sur l'étape du on va changer d'arme. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Pour le coup je sais pas du tout si est-ce que c'est mon arme, est-ce que c'est mes stats, je sais pas. Bon là on va retrailler en mode normal avec l'anneau. Parce que ouais, pour qu'il me foute mid-life, là, il faut vraiment le faire, quoi. Touché. Il attaque. Maintenant, ok. Cours. Ok. Bon déjà cette phase on la connaît, c'est bon. Oh. Le lock, merci. Je pense qu'en fait l'anneau ne sert à rien. Ah quoique. Une petite différence mais je suis pas sûr. Petite braise là. Oh putain de merde. Il fait tellement peur avec son crâne là. Il va rentrer en phase 2 dans pas longtemps. La caméra, merci. Wow. Putain, il attaque deux fois. Putain, l'enfoiré. On est à 280 morts. Là, ça y est, le karma il commence à remonter. Tous les boss qu'on a one shot, etc. et tout. On commence à le bouffer là. Thank you.
Thank you.
Mais le micro il marche plus. Ah si, c'est bon. Je suis même pas content en fait. Je suis même pas content. J'avais pas de content de ce que j'ai fait. Tu devrais pourtant, non, je trouve aucune satisfaction vraiment. Ah, peut-être dans une semaine, oui, je serai là en train de me branler. Ouais, j'ai fini le jeu, etc. et tout, voilà. Mais là, actuellement, non, j'ai. Bah, j'ai plus honte qu'autre chose en fait. Parce que. Voilà, ce genre de jeu, c'est littéralement les jeux qu'il faut pas jouer quand t'es en dépression, quoi. J'ai loqué le mec qui était devant, ça a lancé la bombe derrière. J'ai loqué le mec qui était devant, ça a lancé la bombe derrière. Mais bon. Meilleur jeu de l'année, hein. Meilleur jeu de l'année.
35 prix, 2 DLC acclamés, meilleur studio, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai joué à Dark Souls. À quel prix? À quel prix? Au prix de. Au seul moment où j'ai stream Dark Souls, le prix de ma victoire, ça a été que j'ai perdu 5 followers. Et là, t'as fini, non? Ah non, j'ai pas encore fini. Là. Je vais aller me suicider tout en haut là. Ah non, non, je vais aller me suicider. C'est-à-dire que là je vais monter tout en haut, je sais pas ce qui va se passer, il doit y avoir un truc à faire là-haut, c'est pas possible autrement. Donc stop de torturer, mais non, je... Donc là, il n'y a rien à faire. Donc là, il n'y a rien à faire. Il n'y a littéralement rien à faire, pas d'offrande, rien du tout. Écrit dragon jusqu'à la mort. Oui, non. Elle confère une illusion du torse d'un dragon ancien ainsi que son régissement. La salle de la mort peut libérer des effets de cette transformation. Pour que l'intimidation soit parfaite, il faut également se doter d'une tête de dragon.
Tête de dragon. Ainsi que son rugissement, mais seule la mort peut libérer les effets. On dit que les guerriers aspirants. Elle est employée dans le cadre d'un rituel secret propre à la tradition des adorateurs de ces créatures. Elle confère une tête de dragon ainsi que son souffle, mais seule la mort peut libérer des effets de cette transformation. Je dois faire quoi? Tenter, hein. Je disais ça pour rigoler à la base, le suicide, hein, mais bon, si apparemment se suicider c'est rigolo dans Dark Souls. Je meurs là. Ça ne servira à rien. Enfin, une tête de dragon et son souffle. Pierre imprégnée par la puissance des dragons immortels et employée dans le cadre d'un rituel secret propre à la tradition des adorateurs de ces créatures. Donc, enfin, une tête de dragon ainsi que son souffle, mais seule la mort peut libérer des effets de cette transformation. Ceux qui se lancent dans cette entreprise veulent devenir la copie conforme d'un dragon et ce rituel ne constitue qu'une étape de leur transfiguration. On dit que les guerriers assis en ravir cette voie au cours de il leur arrive d'entrevoir le pic du dragon ancien et d'entendre la grande cloche qui trône à son sommet. On en voit amener une lueur naissante, elle confère une illusion de torse d'un dragon ancien ainsi que son enregistrement. Je comprends pas ce que je dois faire avec en fait. Intimidation parfaite. Imitation parfaite, il faut également une tête de dragon. Je veux bien, j'ai tout la totale, mais ça sert à rien en fait ces trucs là. Ça sert strictement à rien. Taper dans la cloche. La seule cloche que je vois, c'est la grosse celle-là. Hein? J'ai fait. Est-ce que je comprends pas? Je sais pas.
Les ondes. Ok. Mais c'est complètement con, ça sert juste à ça. C'est de la merde. En gros. Voilà. Très bien d'accord. Niquez vos mères, From Software, je sais pas, moi je. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Aucune armure, rien. Ah, par contre, pour me taper des bottes, ça j'en ai, hein, ça c'est sûr. Genre, mais genre littéralement ça change quoi? Ça change rien. C'est même pas une attaque qui fait des gros dégâts, mais c'est de la merde. Vraiment? Ou alors il faut que je me sacrifie comme ça maintenant, c'est pas possible. Mais j'ai réussi. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Je sais vraiment pas si on va faire les DLC en fait. Je sais vraiment pas parce que je sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas.
J'avais fini une dernière fois si on a fait tous les boss, etc. et tout, mais je pense que ouais. Tous les ouvrir comme ça. Du coup, c'est un. Deux, on l'a fait. Trois, Abyss Watcher, oui, trois, on l'a fait. Quatre, on l'a fait. Ouais, 5 on l'a fait du coup lui. Ouais, on l'a fait. Si, on l'a fait. Boss de merde. Si, on l'a fait. Highlord va venir. Ouais, 7 on l'a fait. 8 on l'a fait. Neuf, on l'a fait. Aldric, ouais, il y avait. Aldric, on l'a fait 10. La vallée boréale, on l'a fait. Dans ce, la vallée boréale, 11. Dragon Slayer Armor, 12. 13, on vient de le faire. 14. Bien fait lui. Ouais. 14. 15. Ouais. On a fait tous les boss du mode norme, enfin du jeu normal quoi. Vraiment, je vérifie encore une fois. Hein. Renforcer le feu au maximum, renforcer n'importe quelle arme au maximum, j'ai déjà vu, mais bon, apparemment ça marche pas. Renforcer la fiole d'essus au maximum, accomplir toutes les formes d'imprégnation, acquérir toutes les formes de sorcellerie, je m'en fous. Accomplir tous les succès et les succès cachés. Ça, je m'en fous. Le serment, je m'en fous. Terminer la fin du jeu. La fin du feu, la fin machin, combien toutes les formes, tout. Ouais, donc dans le jeu de base, on a littéralement fait tous les boss. On a fait tous les boss. On a visité toutes les zones. Mentalement, là, je... Encore une fois, c'est pas un jeu pour les dépressifs. Hein. C'est pas... C'est absolument pas un jeu qui a été fait pour les dépressifs ou quoi. Si vraiment on joue à Dark Souls, c'est vraiment parce que on a une vie saine dans sa vie, on respire la bonne humeur, etc. Voilà. On est raciste, on est homophobe, mais bon, malheureusement apparemment ça ne marche pas pour moi, parce que je ne suis pas comme ça, mais bon. Je sais pas quoi penser de du jeu. Je ne sais pas si on fera les DLC du coup. Parce que vraiment, ça m'a... Moralement, ça m'a achevé. Moralement, ça m'a vraiment achevé. Je me rends compte que après coup que à cause de ce jeu, on a quand même perdu 5 followers. Et c'est pas rien quand même. Ça me dégoûte un petit peu. Parce que quand j'entends après, quand pas si longtemps toi qui ça, mais quand tu dis ouais, mais tu joues à trop de jeux, bah ouais, bah maintenant, quand je joue tout, à un seul jeu aussi, c'est pareil. Quand je joue à un seul jeu aussi, c'est pareil. Donc, voilà. Encore une fois, le jeu me remet dans un état où je me remets en question, je me pose des questions, etc.
Donc là, littéralement, la VOD va ressembler à on découvre le boss, il y aura 1 heure en moins, et les gens auront juste la réaction de quand je découvre le boss et quand je tue le boss. C'est tout. Il n'y aura pas le reste. Il n'y aura pas le reste, il n'y aura pas le combat ou quoi que ce soit. Donc, je sais vraiment pas si on fera les DLC. Je ne sais, mais vraiment pas. Moralement, je suis pas. Moralement, c'est le pire jeu. Moralement, c'est le pire jeu de la Terre. Moralement, c'est vraiment le jeu qui. Pas qui joue quand t'as. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas.